toujours aujourd'hui pour changer, nous allons faire un dessert. Nous allons faire un crumble banane mangue. Nous allons utiliser du sucre roux, de la feuille de manioc, de la banane dessert, un demi-citron, de la mangue fraîche, que j'ai fait en bounoise, du beurre avec de la mascarpone. Donc, pour commencer par le crumble, nous allons mélanger le sucre et la feuille de manioc avec du beurre. Nous allons sabler. Sabler, c'est tenir la matière de nos mains et frotter. Il faut que le beurre et la farine et le sucre soient le seul élément. Voilà, on fait comme ça. Le beurre c'est bien pour entre le sucre, on ne voit plus le sucre et la farine. Et nous allons étaler notre crumble sur une plaque à pâtisserie que nous allons mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Nous allons démarrer par un caramel sec. On va mettre une bonne cuillère de sucre au bout de notre poêle. On va essayer quand même. Notre sucre est en train de bouillir. On va rajouter nos bounoises de menthe. Bien, on met le tout. Et on va déglacer avec du rhum menu. Voilà. On va laisser cuire quelques minutes. Disons 2-3 minutes. Ça fait une petite compotée. Nous allons faire notre crumble de banane. Nous allons assaisonner notre banane avec un demi-citron. Alors un peu de sucre. Et on écrase les bananes. Voilà, nous avons notre crumble de banane. Alors, nous passons au montage. Notre crumble de banane. Et pour finir, notre crumble à la manioc. Un dessert qui est assez gourmand, assez généreux et qui est très typique avec tous les produits du pays. Et voilà, et voici notre crumble banane noire.